Nous les avions découverts lors des auditions de Lille le 29 mars dernier. L'orchestre Alan Record avait alors subjugué le jury avec leur hommage à Yvan Dolto. Non. Ben... si. Touche mes castagnettes, moi je toucherai tes ananas. D'abord choqué. Sincèrement choqué, puis partagé, le jury avait dû les évincer de la compétition. Mais devant l'insistance du public, le jury, pris en otage, et malgré les trois noms obtenus par l'orchestre, est contraint de donner une nouvelle chance à tous les membres de la formation Alan Record. Une semaine plus tard, nous retrouvons l'orchestre chez lui, dans son studio du nord de la France. Moi je suis donc ébéniste de formation. Et moi je suis ophtalmologue. Nous avons donc décidé de mettre nos talents en commun et de créer des lunettes en bois pour les toilettes. En tout et pour tout, nous sommes actuellement dans l'orchestre Alan Record, nous sommes deux. Claude François, Dalida, Julien Clerc ou encore Florian Bigaillon, toutes ces vedettes qui ont marqué leur époque ont un point commun, un vibrato unique, véritable signature vocale des artistes chanteurs. Le vibrato est obtenu par la vibration des cordes vocales. Et ça, l'orchestre Alan Record l'a bien compris. Alors au Moyen-Âge, bien évidemment, on travaillait avec de la peau de buffle, hein, qu'on étendait sur des petits cadres en bois, on les plaçait dans la bouche et on tapotait légèrement dessus pour retrouver cette vibration. L'ennui, c'est qu'il fallait attraper la bête. Yeah. Toujours une chose facile. Ensuite, il y eut le scooter. Tu prends bien les bosses, hein? Ouais. Hein? Efficace mais très coûteuse en gasoil, cette technique a vite été abandonnée par les chanteurs. Ne bouge pas! Plus avantageuse, plus simple et surtout plus respectueuse de l'environnement, l'orchestre Alan Record privilégie aujourd'hui la technique du smartphone. Merde. Alors que notre entretien suit son cours normalement, un événement va tout faire basculer. Notre caméraman, surpris et dérouté par le style non conventionnel de l'orchestre, fait involontairement tomber sa caméra. L'orchestre décide alors d'arrêter le tournage. C'est donc en caméra cachée que nous avons surpris leur discussion. Mais c'est quoi ces mecs là de... Ils viennent de où d'ailleurs, c'est quoi? Attends, mais tu te rends compte, on sort du palais des sports de chez M6. T'as vu les cams qu'on avait là-bas? Et puis lui, regarde-moi ça, non mais c'est pas possible d'avoir un... Puis son pied là, qu'est-ce que c'est? La réaction de l'orchestre prend l'équipe de tournage au dépourvu. C'est sans grande conviction que notre régisseur va tenter de recoller les morceaux, mais il apparaît maintenant évident que quelque chose s'est cassé entre l'orchestre et l'équipe technique. Vous me rappellerez quand votre truc sera un peu plus au point. Faut pas le prendre comme ça. En attendant, vous appelez, vous contactez notre agent. Déçu, humilié, il préfère quitter le studio. Telle une rengaine obsédante, la dernière phrase du caméraman va sonner pour eux comme la fin de leur formidable aventure. Vous avez...